Tolède, creuset de culture. Tolède, creuset de culture, ville millénaire. Située à quelques 70 km de Madrid, cette ville est l'une des plus visitées d'Espagne. Différents gisements témoigneraient de son peuplement dès la préhistoire. Les Romains prirent la ville car ils la considéraient comme une ville clé pour contrôler la ligne défensive du Tage. Différents documents la citent comme Toletum. Des siècles durant, le territoire de Tolède fut prisé par les Arabes et les chrétiens. Les Juifs y cohabitèrent avec ces deux cultures jusqu'à leur expulsion à la fin du XVe siècle. Cet événement marque la fin de la tradition qu'avait maintenue jusqu'alors la ville en tant qu'exemple de cohabitation et de tolérance entre les trois grandes religions monothéistes. Ces trois cultures s'épanouirent à Tolède, comme en témoignent de nombreux vestiges. De nos jours, Tolède est la capitale de la région autonome de Castilla-La Mancha et le siège d'un archevêché. Tolède a été bâtie sur une colline totalement envahie par les maisons. La ville s'étale sur les rives du Tage, un fleuve qui a façonné son orographie originale. Le quartier historique de la ville conserve des vestiges des murailles qui témoignent de son passé militaire. Tolède fut le théâtre de nombreuses batailles au Moyen Âge. La porte de Bisagra est l'entrée de la ville lorsqu'on vient de Madrid. C'est la porte la plus spectaculaire de Tolède. Le terme Bisagra, d'origine arabe, signifie « voie sacrée ». Tolède fut la première ville à se soulever contre Charles Quint, empereur d'Allemagne, prince des Pays-Bas et roi d'Espagne sous le nom de Charles Ier, à l'occasion de la révolte des Comuneros, qui considéraient le monarque comme un étranger. Tolède fut la dernière à se rendre. Voilà sans doute pourquoi l'empereur voulut y établir sa capitale. Charles Quint décida une série d'améliorations et de modernisations de la ville, dont l'urbanisme était encore tout à fait médiéval. La grande porte de Bisagra fut le grand symbole de ce processus. Sa construction fut exécutée par Covarrubias, qui profita de l'emplacement d'une ancienne porte arabe. Les symboles de l'empereur président tout l'ouvrage. La façade principale donne sur la cour d'honneur. Le premier étage de la porte, du côté qui donne sur la ville, abritait la résidence du gouverneur, chargé de recouvrer les principaux impôts, étant donné qu'il s'agissait de la porte la plus fréquentée de la ville. Sur les deux côtés de la porte, on pourra observer l'aigle bicéphale, l'écu de Charles Quint. Ce dernier s'est pris de la ville, raison pour laquelle il décida de lui offrir son emblème. Depuis, c'est également l'écu de Tolède. Quelques mètres plus loin, remarquons la porte ancienne de Bisagra ou d'Alphonse VI. Cette porte fut érigée en l'honneur de la prise de la ville par les chrétiens au XIe siècle. La porte de Bisagra donne sur le quartier de la Raval, présidé par l'église du même nom. Vu sa beauté, nombreux sont ceux qui la considèrent comme la cathédrale du Mudéjar. Sa tour dégagée évoque un minaret d'où le muezzin invitait les fidèles musulmans à la prière. Cette tour fut sans doute un minaret avant sa transformation au christianisme. L'église Santiago de la Raval témoigne parfaitement de la combinaison des influences arabes et chrétiennes pour créer une seule œuvre finale.
Les faubourgs de la ville sont des quartiers typiquement arabes qui furent érigés extramuros des villes. Ils jouissaient d'une grande autonomie vu qu'ils avaient leur propre marché et mosquée. Mosquée du Christ de la Luz, érigée pour le service religieux des fidèles qui habitaient les faubourgs, témoigne de cette réalité. Il s'agit de la mosquée la mieux conservée de la ville. Bien qu'elle fût consacrée ensuite au culte chrétien, elle évoque parfaitement le passé d'une culture qui s'établit à Tolède pendant plus de 3 siècles. Cette construction, typique du califat de Cordoue, abrite pourtant des chapiteaux d'origine wisigothe, témoignant de l'existence d'un temple consacré au culte chrétien avant la conquête des Arabes, qui utilisèrent sans doute certains de ces éléments. Une fois de plus, les trois cultures se retrouvent et s'entremêlent à Tolède. Le quartier de l'Arrabal aboutit dans la place del Zocodover, l'endroit le plus fréquenté de la ville. Sous les Arabes, cette esplanade était un site commercial. Son nom, Zocodover, signifie précisément « marché aux bestiaux ». De nos jours, c'est le centre économique et social de Tolède, fréquenté par les touristes, les promeneurs et les voitures. La place abrite des boutiques et des restaurants. Cette vocation commerciale est très ancienne. En effet, des siècles durant, les artisans résidaient sous ces arcades. Cette place a toujours été le théâtre de la vie quotidienne de la ville. L'Inquisition espagnole y faisait des autodafés. On y exécutait les prisonniers et on y organisait des corridas et des joutes. Une grande partie de l'histoire de Tolède s'est écoulée à Zocodover. Les balcons qui saillissent des fenêtres des édifices furent construits pour faciliter des vues privilégiées de tous ces événements. Zocodover est un endroit idéal pour reprendre des forces en savourant un café sur l'une des terrasses de la place et y observer le va-et-vient des gens qui s'y rendent. La place est présidée par la préfecture. Sous l'horloge, remarquons l'arc de la Sangre. Selon la légende, ce nom, qui signifie « sang », aurait 2 origines possibles. L'une raconte que l'arc était l'endroit choisi par la confrérie du Christ du sang pour dire la messe lorsque la ville était assiégée. L'autre légende raconte que le soulèvement contre les troupes napoléoniennes au XIXe siècle y fut noyé dans le sang. Tolède a été érigée sur 7 collines. Voilà pourquoi la plupart de ses rues sont en pente. La plus grande colline, l'endroit le plus haut de la ville, abrite un imposant château, l'Alcazar. Cette colline, située à quelques pas de la place del Zocodover, fut choisie par les Romains, les Arabes et les Chrétiens pour y ériger leur forteresse. Charles Quint fit reconstruire l'Alcazar de Tolède pour l'aménager en résidence digne d'un empereur. Covarrubias en fut de nouveau l'architecte. La réforme, de style Renaissance, dota l'ensemble de 4 grandes tours surmontant des façades sobres. L'architecte suivit le goût impérial qui combinait les aspects et fonctions militaires et un aménagement et une décoration à la romaine. Avant la fin des travaux, Philippe II décida d'établir la cour à Madrid. Ainsi, l'Alcazar ne put jamais devenir une résidence royale. La forteresse, théâtre de nombreuses batailles depuis la guerre de la succession d'Espagne jusqu'à la guerre civile, a été réhabilitée à de nombreuses reprises.
À l'intérieur, la cour conserve toute sa beauté spectaculaire. La cour est formée de deux galeries à arcs en plein cintre. Sur les arcs, les armoiries de la ville, les mêmes que celles de Charles Quint, sont un motif de décoration constant. Au milieu de l'esplanade se dresse une statue de l'empereur Charles Quint vêtue à la romaine pour souligner l'idéal de César qu'il a toujours accompagné. L'Alcazar fut la proie des flammes à plusieurs reprises. En 1710, il subit son premier incendie. Un siècle plus tard, les troupes françaises y mirent de nouveau le feu. Après sa reconstruction, il subit un troisième incendie. L'escalier impérial fut exécuté par trois architectes. Covarrubias, l'auteur de la porte de Bisagra et le responsable du design de la façade de l'Alcazar, Villalpando, l'auteur de la cour centrale, et Juan de Herrera, l'architecte de l'Escurial. Ces trois architectes dotèrent cet escalier Renaissance d'une grande majesté. Il s'agit du premier escalier impérial de l'architecture espagnole. L'escalier fut pratiquement détruit par des bombardements pendant la guerre civile espagnole. Il fut reconstruit selon le modèle original, ce qui lui permit de retrouver son ancienne splendeur. Le premier étage abrite un musée militaire où l'on pourra contempler différents échantillons de son passé militaire. Machines de guerre, maquettes de bateaux, habits militaires. Bientôt, l'Alcazar deviendra le siège du grand musée de l'armée de terre, dont le siège se trouve encore à Madrid. Cette décision témoigne de la reconnaissance de son importance pour l'histoire de l'Espagne. Le musée permettra de faire un parcours historique des différents événements militaires qui ont façonné le pays tel qu'il est de nos jours. Le château conserve toujours une salle telle qu'elle est restée après la guerre civile. Le bureau du général Moscardó. Le général Franco prit cette décision pour rendre hommage à l'un des exploits les plus importants de la guerre pour les franquistes. Lorsque l'armée républicaine s'empara du fils de Moscardó, elle lui proposa de lui laisser la vie sauve en échange de sa reddition. Mais le général préféra sacrifier son fils plutôt que de se rendre. Une petite urne abrite le téléphone original d'où Moscardó reçut l'appel. Cette urne témoigne d'une guerre terrible qui fit des milliers de victimes. Sur le chemin menant de la place del Zocodover à la cathédrale, citons la rue del Comercio, qui concentre une grande partie des boutiques de Tolède. Jadis, s'y trouvaient les ateliers des celliers et des maréchaux ferrants qui subvenaient aux besoins des hidalgos. Les joailliers, les cordonniers et les tailleurs y subvenaient, eux, aux besoins esthétiques des dames. De nos jours, cette rue abrite surtout des établissements d'artisanat, comme le reste du quartier historique. On y vend aussi bien des poteries que des armures. Mais les objets damasquinés et les épées sont de loin les produits les plus prisés.
La fabrication d'épées et d'armures est une tradition vieille d'au moins 500 ans. Comme sous Charles Quint, il est possible de nos jours d'acheter des casques, des haumes, des armures et tout le nécessaire pour être considéré comme un chevalier du XVIe siècle. Les Tolédans ont toujours eu la réputation d'être de bons artisans. On affirme même qu'ils avaient des secrets qui leur permettaient d'élaborer des épées se distinguant par leur perfection. Au XVIe siècle, certains de ces artisans furent nommés armuriers du roi. Malgré des conflits constants, l'artisanat de la ville s'épanouit et jouit d'une renommée mondiale. Grâce à l'essor du tourisme, ce travail artisanal est toujours florissant. La plupart des artisans continuent de fabriquer ces objets à la main. Ces manches témoignent de la finition parfaite des épées. Chaque détail y est sculpté avec grand soin. Les artisans de Tolède travaillent toutes sortes de styles. Voilà pourquoi, outre des répliques d'épées du XVIe siècle, on pourra par exemple y acquérir des katanas japonais. Bien entendu, les légendes ont pénétré à fond dans l'imagination des artistes qui ont ainsi pu façonner la mythique Excalibur du roi Arthur, la tisane du Cid et même les armes des héros de fiction. On pourra donc trouver dans les boutiques de Tolède toutes sortes d'épées. Outre les épées, l'artisanat de Tolède travaille le damasquinage. Cette technique consiste à incruster des filets d'or dans un support moins précieux, comme le fer, le cuivre ou le bronze. Cet artisan fabrique des boucles d'oreilles dont le motif est une étoile de David. Le premier processus à mener à bien, le perçage, consiste à tracer des sillons ou cannelures qui permettront au métal fin, or ou argent, de s'incruster dans l'acier. Puis vient le traçage de l'objet qui permet de faire le squelette qui abritera les lames et filets d'or. À présent, Louis, l'artisan, procède à l'incrustation du filet ou lame d'or. Pour ce faire, il utilise une petite baguette de fer qui sert à fixer l'or dans les sillons. Ce burin est dit maté. Avec une grande habileté, il trace le dessin en incrustant le filet d'or au moyen du burin. Son habileté lui vient de nombreuses années consacrées au damasquinage. Cet art a été transmis de génération en génération. Ces familles d'artisans se consacrent à ce travail depuis très longtemps. L'art du damasquinage était déjà connu des Égyptiens, mais c'est à Damas qu'il s'épanouit. La domination arabe l'introduisit à Tolède. Lorsque les formes sont dessinées sur le support, l'artisan utilise un petit marteau pour fixer le filet d'or. Ces boucles d'oreilles sont le fruit de ce travail. Mais pour le mener à bien, il faudra tout d'abord baigner l'objet dans un mélange spécial à une température de 800 degrés centigrades. Ce bain permet à l'acier de prendre une couleur noire et de faire ressortir l'or. Enfin, un dernier processus fera briller l'or en combinant les tons mats et les tons brillants.
Le damasquinage est commun sur les plats, les pots, les coffrets et bien d'autres supports. Ces objets deviennent alors de petits joyaux. Les rues de Tolède abondent en boutiques où l'on pourra admirer ces échantillons d'art sur un petit plat ou des récipients exhibant leurs reflets dorés ou argentés. Cette boutique, la Casa Martín, où l'on pourra observer le travail de Luis, son artisan, est ouverte depuis 1930. La tour de la cathédrale primatiale Santa Maria surplombe fièrement la rue del Comercio. Ce joyau du gothique est le second édifice le plus haut de la ville après l'Alcazar. Cette tour et le château constituent la première image que le visiteur aura au loin de Tolède. Cet ancien temple wisigoth fut d'abord absorbé par la grande mosquée sous la domination musulmane. Lorsqu'en XIe siècle, Alphonse VI conquiert la ville pour la couronne de Castille, il signe un traité avec les islamiques en fonction duquel il leur promet de maintenir l'usage de l'édifice en tant que mosquée. Mais le traité fut violé au bout d'un an et le bâtiment fut consacré au culte chrétien. Lorsque les musulmans entendirent sonner les cloches du minaret, ils se soulevèrent dans toute la ville. Au bout de deux siècles, l'ancienne mosquée était dans un état ruineux. C'est alors que commencèrent les travaux de la cathédrale actuelle. Les marbres de la mosquée furent réutilisés pour les colonnes de l'intérieur. La cathédrale se distingue par son plan en forme de croix latine, ses cinq nefs latérales et sa façade, une merveille abritant différentes portes, dont celle des lions. Contrairement au courant gothique, la cathédrale n'a qu'une seule grande tour et non pas deux. La tour est couronnée d'une belle aiguille de style gothique flamboyant. Le rez-de-chaussée abrite le trésor de la cathédrale, que l'on sort tous les ans à l'occasion de la procession de la fête Dieu. La tour clocher est décorée de carreaux mudéjars originaires de Valence. Après l'expulsion des Arabes et des Juifs, Tolède vécut sous la domination férue de l'archevêché qui est toujours établi dans la ville. La cathédrale primatiale est l'une des plus belles d'Espagne. Elle mérite à elle seule que l'on visite la ville. De la cathédrale, on atteint la rue de Santo Tomé, qui constitue le début de la juiverie. Ce labyrinthe de ruelles en pente est un endroit magnifique où vous pourrez vous promener et laisser libre cours à votre imagination pour retourner au passé. Les Juifs cohabitèrent des siècles durant avec les Arabes et les chrétiens, sans jamais en être le peuple dominateur. Ils vécurent tantôt des époques prospères et tranquilles, tantôt des persécutions. On affirme qu'ils rendirent la ville aux Arabes car ils s'adaptaient mieux à leur culture, plus permissive envers les autres religions que le christianisme. Les catholiques ne l'oublièrent jamais après la reconquête. Leur rancœur à l'égard des Juifs demeura jusqu'à leur expulsion par les rois catholiques en 1492. Les Juifs étaient enviés pour leur richesse.
Il possédait la clé de la santé. En effet, la réputation des médecins juifs était connue dans toute l'Europe, de même que la beauté des femmes juives, qui firent perdre d'ailleurs la tête à Alphonse VIII. La synagogue del Transito devait répondre aux besoins de culte du peuple hébreu. Son bienfaiteur, Samuel Lévy, était le trésorier de Pierre le Cruel. Il s'agit de la plus grande synagogue d'Espagne. À l'intérieur, on pourra visiter le musée séfarade. Le nom de synagogue del Transito lui fut donné a posteriori lorsqu'elle fut aménagée pour le culte chrétien. Ce nom découle d'un tableau du maître Correa qu'elle abritait et qui représentait la Dormition de la Vierge. En réalité, ce fut la synagogue de Samuel Alevi en l'honneur de son bienfaiteur. Cette synagogue est considérée comme le joyau de l'Almudéjar tolédan, étant donné que les Juifs profitèrent également de l'héritage architectural arabe dans leur construction. L'église Santo Tomé est située au bout de la rue du même nom. Elle abrite le chef-d'œuvre du Gréco, l'enterrement du comte d'Orgaz. Cette toile est une commande du curé de l'église qui souhaitait perpétuer la mémoire du comte d'Orgaz, le promoteur de l'église. Ce tableau comprend deux parties bien différenciées. En premier lieu, la partie inférieure, représentant le corps sans vie du seigneur d'Orgaz, soutenu par deux saints, saint Étienne et saint Augustin. La représentation des saints, qui se distinguent par le coloris de leurs vêtements, de leurs ornements et de leurs détails, contraste avec le cortège funèbre en grand deuil. Remarquons-y un autoportrait du peintre. Par contre, dans la partie supérieure du tableau, l'artiste laisse libre cours à son imagination et nous propose une scène céleste. Un ange présente l'âme d'Orgaz devant le Christ, accompagné de la Vierge et de Saint Jean. Remarquons la disposition inégale des personnages, ainsi que les tons utilisés, plus vivants et lumineux, qui contrastent avec la partie inférieure, plus linéaire et mesurée. Derrière l'église Santo Tomé se dresse la maison-musée du Gréco. En réalité, ce grand peintre n'y résida jamais. On pourra néanmoins y contempler une magnifique collection de ses œuvres ainsi qu'une reconstruction d'une maison typique de l'époque. La vraie maison du Gréco a disparu. On sait qu'elle se trouvait dans la zone occupée de nos jours par la promenade del Transito. L'idée de cette maison-musée est due à un marquis de Tolède qui eut, au début du XXe siècle, l'idée de réunir dans une maison remontant à l'époque du peintre certains de ses chefs-d'œuvre éparpillés dans la ville dans des conditions lamentables. C'est ainsi qu'elles furent conservées et soignées pour leur contemplation. Quittons la maison du Gréco pour visiter le quartier des couvents. Cette zone accueillait l'aristocratie islamique. Après leur fuite, lors de la conquête chrétienne, leurs maisons furent occupées par des nobles castillans et par des ordres religieux. À l'occasion du transfert de la cour à Madrid, la noblesse vendit ses propriétés au couvent. Bon nombre d'entre eux y sont toujours actifs. Depuis, ces rues sont imprégnées d'un profond esprit catholique. Une promenade permettra de sentir la paix et le calme que l'on respire dans cette zone de la ville très peu fréquentée.
À côté du couvent de San Pedro Mártir, remarquons l'église San Román. Cette construction, aux origines wisigothes, fut tout de suite une église. Mais la domination arabe l'aménagea en mosquée. Ensuite, elle reprit sa fonction d'église. Voilà pourquoi elle conserve des éléments arabes et chrétiens à l'intérieur. Remarquons son plan basilical à trois nefs limitées par de grands arcs en fer à cheval reposant sur des colonnes wisigothes. De nos jours, cette église est le siège du musée des conciles et de la culture wisigothe. Il renferme notamment des colonnes, des pierres tombales et d'autres joyaux de l'église. Tous ces murs sont recouverts de fresques romanes, découvertes à la fin des années 1960 à l'occasion des travaux de restauration de l'église. Ces fresques, qui se distinguent par leur beauté, sont des dessins aux couleurs planes, dont les figures sont rehaussées à l'aide de gros traits noirs. Ces fresques, décorées de motifs géométriques ou végétaux, représentent des saints et des prophètes. Ces peintures avaient également une composante dogmatique pour les fidèles, comme l'atteste une grande fresque consacrée au jugement dernier. Les morts se dressent dans leur tombe au son d'une trompette d'un ange à l'occasion de la résurrection des corps. La zone des couvents est parsemée de beaux échantillons d'architecture religieuse, dont l'église Santa Leocadia. Sa tour-clocher en guise de minaret et sa façade sont les seuls vestiges que l'église conserve de sa construction mudéjar originale. L'église Santa Leocadia est littéralement adossée au couvent de Santo Domingo l'Antiguo. Ce monastère, le plus ancien de la ville, est le seul couvent de clôture partiellement ouvert au public. Les religieuses, de l'ordre cistercien, se chargent d'un petit musée aménagé pour les visiteurs. C'est de ce couvent que le Greco reçut sa première commande à Tolède. Du retable original, il ne reste que les latéraux, deux toiles représentant Saint Jean-Baptiste et Saint Jean l'Évangéliste. Le transept accueille une autre toile originale du Gréco qui représente la résurrection du Christ. Cette image se distingue par ses contrastes qui différencient les mondes célestes et terrestres. À côté de la grille d'entrée du musée, remarquons, par terre, une petite ouverture couverte d'un cristal et abritant la tombe du Gréco. L'austérité qui marqua sa vie concerne également son tombeau. Le peintre voulut être enterré ici, car c'est ici qu'il reçut sa première commande. La dernière salle ouverte au public, le chœur, abrite le musée d'art religieux du couvent. Dans cette petite salle, on pourra contempler les œuvres d'art acquises tout au long des siècles par le couvent sous forme d'acquisitions et de dons. Vu qu'il s'agit du couvent le plus ancien de Tolède, ce musée abrite un grand nombre d'objets. Ses archives, qui figurent parmi les plus riches de la ville, conservent notamment le testament de Pierre le Cruel.
Parmi les chefs-d'œuvre qu'elle renferme, citons une sculpture gothique de la Vierge à l'Enfant du XIIIe siècle et une sculpture de Sainte Anne du XVIe siècle. Un trône était aménagé pour les monarques, notamment pour Philippe II, dans l'avant-chœur, lorsque ceux-ci visitaient le monastère. En quittant le quartier historique, nous rejoignons le Tage qui ceinture la ville. Du côté ouest, remarquons le pont San Martín. Ce pont, construit au XIVe siècle, représente un ouvrage imposant pour son époque. Parmi ces cinq arches, remarquons la maîtresse arche qui mesure 40 mètres de large. Ce pont fortifié comprend deux tours, une à chaque extrémité. Il fut construit en remplacement d'un autre pont érigé en aval de la ville, détruit par des inondations. Il dut être partiellement détruit pour empêcher l'entrée dans la ville des troupes d'Henri II de Trastamare. Ce pont est l'objet d'une légende qui raconte que quelques jours avant son inauguration, le maître d'œuvre avoua à sa femme qu'il avait des doutes quant à la solidité et à la consistance du pont. Cette nuit-là, la femme mit le feu à la charpente de bois qui soutenait le pont pour préserver l'honneur de son mari. Le pont dut être reconstruit. La légende parle ainsi de la femme du maître d'œuvre. À quelques pas du pont San Martín, citons le bain de la Cava. Ce petit édifice est une tête de pont de bateau du XIIe siècle. Une légende raconte que Florinda, dite la Cava, s'y baignait et que le luxurieux Don Rodrigo l'épiait. À l'est, le Tage est franchi par le pont de Alcántara. Ce pont d'origine romaine fut reconstruit par les musulmans. Sa dernière réforme fut décidée par les rois catholiques, d'où sa forme gothique. Les armoiries de ces monarques y sont d'ailleurs taillées dans la pierre. Au XXe siècle, ce pont cessa d'être l'accès principal de la ville, à la suite de la construction du pont neuf. C'est ainsi que le pont de Alcántara fut fermé à la circulation routière pour devenir piétonnier. Ce pont, éloigné du vacarme des voitures, est devenu un nouveau témoignage du passé glorieux de Tolède, parmi les nombreux édifices de la ville qui témoignent de l'établissement dans la ville de différentes civilisations. C'est ainsi que prend fin ce parcours de Tolède, une ville qui atteste de nombreuses luttes et batailles tout au long de l'histoire. Mais Tolède est un creuset et un exemple de cohabitation pacifique entre des cultures millénaires.